Salut tout le monde, on se retrouve sur Kingdom Come Deliverance. Et devinez quoi? Je viens de croiser l'auberge de la clairière. Donc, on va s'arrêter là. C'était sur ma route. C'est un peu une auberge au milieu de tout, c'est ça qui est vraiment chouette. Et Vous il y a attendez une quelqu'un? dame. Plus maintenant, jeune homme, c'est toi que j'attendais. Tu m'as l'air d'être un type futé et galant avec ça. Tu ne laisserais quand même pas une demoiselle en détresse. Pourquoi? Vous en connaissez une? Allons, allons, mon mignon. Ne sois pas désagréable. J'ai du travail à te proposer. Il y a un petit vieux installé à la taverne. Hier, il a fait appel à mes services en me promettant de me payer ce matin. Sauf qu'il fait semblant de ne pas me connaître. J'aimerais que tu récupères dans sa bourse les gros chênes qu'il me doit. Je m'en charge. Assurément. Je serai de retour avec l'argent d'ici peu. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Autre question. Voilà. On est mieux comme ça. Avec le hoqueton de Sasso. Alors, il y a un gîte. Il y a un aubergiste. Que Dieu vous accompagne. Est-ce qu'il te faut des Tu n'aurais provisions? pas du travail pour moi? Est-ce qu'il te faut des provisions? De la viande fraîche. Pas de problème. Je peux aller t'en acheter un raté. Je peux envoyer le palefrenier pour ça. Je te parle de gibier. Du gibier? Mais c'est presque impossible d'en acheter. Il faudrait que je le chasse par mes propres moyens, et c'est contraire à la loi. Ah. Il va sans dire que je te paierai grassement tout ce que tu me ramèneras. Et encore mieux s'il s'agit d'une demande particulière. Et si tu me files un coup de main ici et là, je t'enseignerai une astuce utile en retour. Voilà une proposition intéressante. Est-ce qu'il te faut de la viande? En effet, j'allais justement cuisiner du lièvre à la crème. J'ai tout ce qu'il faut, sauf du lièvre. Comment vont les affaires? Pas de problème à signaler aux alentours? Rien d'insurmontable. D'accord. Non, là, je sais pas trop. Si on parle affaires. Ah, bah voilà, des schnapps du sauveur à un prix acceptable. On va en outre te prendre de l'agneau cuit qui coûte un prix ridicule. Donc on va tout prendre. Voilà, conclure le marché. Qui a Oh, il demande rien du tout en viande de lièvre. Qui est le client? Qui a les gros chênes qu'il nous faut? Vous. Une bière pour moi. Eh bien, on repassera vous voir. Là, il y a des lits pour dormir. Avec les cochons. C'est sympa. Enfin, à côté des cochons. Là aussi. On va peut-être aller chercher un lièvre en fait. Ça devrait pas poser trop de problèmes. J'ai l'impression de voir tout le temps des animaux sauvages, et là, plus du tout. Mais c'est probablement une impression fausse. Faut dire que je cherche rarement des lièvres.
ici pour y avoir des cerfs. J'adore la musique de la taverne qu'on entend présentement. Où sont les lièvres? Dans la forêt. Mais où sont-ils cachés? Oh, c'est un caillou. Ça, c'est un chevreuil. Ça, ce sont des chevreuils. Alors ça, c'était assurément un lieu d'intérêt. Même pas besoin de se poser la question. Ah, il avait arrêté de bouger. Il s'en va. Lieu de chasse aux chevreuils. Je m'en étais pas rendu compte du tout. Wow. Ce coup. C'était magnifique. Plus je suis fatigué, plus mon bras aussi, plus c'est dur. Ils se font tellement bien dans les herbes. Si je savais pas qu'il était là. On va peut-être se contenter de celui qu'on a eu. À moins que j'arrive à avoir l'autre, mais. Mes chances sont assez limitées, on dirait. Oh, manqué à pas grand chose. Ah, il m'a vu. On va se contenter de celui-là. Oh, il y en a un là aussi. Ah! Voilà qui s'en va. On va donner pour l'instant. Viande de chevreuil. Au cheval. Je sais pas ce qui lui arrivait au chevreuil, mais il était coincé. Du coup, je l'ai eu à l'épée.
Ça me convient. Manque toujours mon lapin, moi. J'espère que si jamais je lui apporte de la viande de lapin, hein, juste après il va me demander du chevreuil. Comme ça je pourrais compléter deux missions d'un seul coup. Et pas du sanglier ou du cerf. J'ai jamais vu de zone de chasse de lapin. Je pense qu'il y a trop de lapins pour qu'il y ait des zones particulières. Oh non. Misère, je loupe des coups là. Ah là, j'en ai touché un. Ah non, là, j'en ai touché un. Peut-être qu'ils sont blessés et qu'au bout d'un moment ils doivent s'arrêter. Il court diablement vite. Comment ça se fait que je le touche pas? Ah. Je pense pas que mon cheval ait la place pour porter tout ce que il faudrait que je lui donne. On peut essayer, hein. Voilà. Alors ça. Il y avait un lièvre, hein. Oh, il y a un lièvre tout là-bas. Ah, il y en a un là. Il y en a partout là. Alors, je suis tellement lent que ça m'arrangerait qu'il s'arrête.
C'est des bandits là-bas. On va boire un schnapps du sauveur par mesure de précaution. Mon but n'étant pas d'affronter des bandits. Ah, c'est des coumans. Itt nem látok. Megjött a mulatság. Vigyázz! Bá! Bá! Kapsz egyet! Je pense qu'il va me crever, c'est un chef, on dirait. Je pourrais fuir, mais je me demande si mourir c'est pas plus sain. Eh ben, nous voilà morts. Heureusement, j'ai sauvegardé juste avant. On ne va pas suivre ce petit lapin qui va voir les coumans. Ah ouais, mais alors. S'il vient vers moi, il y a aussi le couman qui vient vers moi. Mit keresel itt? Véletlenül kibújtál anyád szoknyája alól. Je suis juste rentré dans le sanglier. Là-bas, il y a des biches ou des chevreuils. Là, il y a des chevreuils, il y en a partout. Pourquoi c'est les lapins que j'ai le plus de mal à tuer? Je viens de le recroiser. Ah non, lâchez-moi les chaussures, Vous cassez pas les pieds. Où sont les lapins? Là-bas, il y a un couman. Mais je fais pas la chasse au couman. La chasse au lapin.
Ça, c'est juste un voyageur. Oh, un lapin. Oh non. Je vais avoir tiré tout autour, comme le lanceur de couteau. Hop là. Non, dégringole pas. Ouf. Voilà. Remontons sur le cheval et on va vendre tout ça à l'aubergiste. J'espère qu'il va pas réclamer de la viande de cerf. Parce que c'est vraiment la seule que je n'ai pas. Attendez, j'ai bien vers l'auberge des quatre chemins là ou. J'ai pas tout à fait l'impression. Croix mémoriale que je n'avais pas encore vue. Ah si. Ouh, on s'était énormément éloigné. J'avais pris chemin de droite en partant de d'ici et je suis revenu par le chemin de non j'avais pris chemin de gauche et je suis revenu par le chemin de droite à partir de l'auberge. J'espère pouvoir vous aider, chevalier. Eh bien, achète-moi ça. J'ai la viande que tu m'avais demandé. Une bière. Superbe. Rien de tel que l'odeur du gibier frais. Voilà pour toi. Tu as mérité tes gros chênes. Est-ce qu'il te faut de la viande? Je suis à court de viande de sanglier. C'est embêtant, les gens viennent des quatre coins du pays pour mon goulash de sanglier. Si tu parviens à m'en rapporter, tu ne le regretteras pas. Au revoir. Alors je l'ai. Fallait que ça s'actualise quand même, on n'est pas censé l'avoir sur nous directement. J'ai la viande que tu m'avais demandé. Il veut 10 de viande de sanglier. Superbe. Rien de tel que l'odeur du gibier frais. Voilà pour toi. Tu as mérité tes gros chênes. Je sais pas pourquoi gros chênes, ça prend pas de S. Est-ce qu'il te faut de la viande? Tout à fait. J'attends la visite d'un marchand qui apprécie tout particulièrement la viande de chevreuil. Je te serais reconnaissant si tu pouvais m'apporter de la venise bien fraîche. Bonne chance alors. Mon cheval. Ah, j'enchaîne les quêtes du coup. Demandé. Il va me manquer plus que cerf, ça me demande bien cerf. Superbe. Rien de tel que l'odeur du gibier frais. Voilà pour toi. Tu as mérité tes gros chênes. Et comme promis, je vais t'enseigner un petit truc. Ah ah. Ah, vous avez gagné un niveau en vol à la tire. Parlons à faire.
Qu'est-ce que je peux lui acheter d'autre? Ah, le lard, ça rapporte beaucoup, je crois. Comme il est fumé, il va tenir longtemps. Bon, on va conclure le marché. Ouais. Et si on parlait un peu des tarifs? Bien entendu. Faire une offre. De toute façon, il peut pas payer. Tenez, plus. Avec un petit quelque chose en prime pour la peine. Ma parole, merci bien. Du coup, j'ai gagné tous les sous qu'il avait. J'ai récupéré de la nourriture à foison. Dans un instant. Pourquoi j'ai encore un quête? Ah bah, je comprends. En fait, le A il est derrière lui. Non, c'est toujours le même gars. On va pas le tenter en vol à la tire. Ah, je sais ce qu'on va faire. Est-ce qu'il est possible de dormir ici? Sans problème. Jusqu'à quand? Et si je vous payais déjà pour quelques nuits? Pas de problème, mais il faut payer à l'avance. J'aurais dû faire ça avant. C'est une grosse somme. Est-ce qu'on peut discuter du prix? Ah voilà, je vais offrir plein de... grosse chaîne. Satisfait? Bon, encore un peu et le marché est conclu. Vous allez vous plaire ici. Vous serez comme sur un petit nuage. Je sais pas si jamais les sous qu'il récupère comme ça, il les a. Non, voilà. Les sous de la chambre, il les gagne pas pour lui. Donc de toute façon... Donc j'ai désormais un logis, voyez-vous. Et donc... Les trois sont à moi ou quoi? Ah non, d'accord. C'est des chambres de gens. Il y a un coffre. Bon, il n'y a pas grand chose. Il y a un coffre, mais il est un peu en extérieur. Est-ce que c'est celle-là, ma chambre, du coup? Ouais, c'est celle-là. Et donc là, j'ai mon coffre bien à moi. Et donc, moi, j'ai... rien de très particulier. Je pense que la nourriture elle va s'abîmer si je la mets dans mon coffre. D'ailleurs j'en suis sûr. Très bien. Ça je peux pas toucher. Ils sont tous aussi bien. Alors prenons celui qui est pas abîmé. C'est-à-dire que celui qui est abîmé il vaut plus, mais bon. Vu que je peux pas le réparer. Allez, au dodo. Et on va s'arrêter pour aujourd'hui, pour cet épisode. Dans le suivant, on sera la nuit. Et vous verrez ce qu'on fera pendant la nuit.